Yahoo, dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve avec grand plaisir pour te parler du manga Chi, une vie de chat. Donc, je t'expliquerai après pourquoi il n'y a qu'un seul tome, etc. Donc, en ce qui concerne les grandes lignes, Chi, une vie de chat est un manga en... Je ne sais plus le nombre de tomes, pardon, j'ai un doute. Des éditions Glénat, c'est un Kodomo, il est collection Glénat Kid. Âge conseillé aux 6 ans et plus. La série dans le genre comédie, étrange vie et donc animaux. L'œuvre date de 2004 au Japon et de 2010 en France pour cette nouvelle édition. Et en ce qui concerne les grandes lignes, nous sommes avec Konami Kanata en ce qui concerne... Kanata, oui, en ce qui concerne donc le mangaka. Pour ce qui est de pourquoi je te présente que le tome 1. Honnêtement, Chi et une vie de chat est un manga tranche de vie, tout ce qu'il y a plus classique. Et une fois que tu as lu le tome 1, en fait, tu sais très bien de quoi ça parle. Et tu peux lire la série en entier si tu veux. Mais honnêtement, moi, je vais m'arrêter au tome 1 tout simplement parce que je n'ai pas besoin de plus pour savoir vraiment de quoi parle le manga. C'est quelque chose de très simple. C'est juste une tranche de vie où on suit les aventures d'un pauvre petit chat. Et c'est tout. Donc, voilà. Donc, moi, je ne m'arrête qu'au tome 1, tout simplement, question financière et question de... J'ai passé l'âge, très clairement, de dire ça, même si, voilà, je les aurais eu gratuits ou je les aurais eu d'occasion, genre, très très bas prix, parce que là, 5 euros fois une dizaine de tomes, voire plus, ça fait quand même mal. Mais, voilà, très clairement. Je te dis les choses clairement comme elles sont et sans détour. Donc en ce qui concerne le manga, on va suivre à chaque fois des petites aventures, des petits chapitres où on suit les aventures de Chi qui va vivre donc sa petite vie tranquillou. Alors en fait c'est un chat qui était avec sa maman et ses frères et sœurs, il s'est baladé en ville. Il a regardé ailleurs, sa famille s'est avancée, ils ne l'ont pas vu. Des humains l'ont récupéré. Ces humains finalement vont le garder et forcément comme c'était un chaton, donc par exemple ils ne savaient pas qu'il fallait faire pipi sur le journal ou après dans la litière, etc. etc. Donc on va suivre les aventures d'un petit chaton qui découvre la vie et qui va vivre avec ces humains, qui va faire des bêtises, qui va faire des trucs mignons, etc. etc. Et donc ça c'est quelque chose de très sympa. Personnellement, Chi est un manga que je te conseillerais surtout si tu aimes soit les lectures tranches de vie Kodomo très détentes ou si justement tu as voilà, t'es un grand frère, t'es un parent, etc. qui veut montrer à son enfant ce que c'est que d'avoir un chat, les problèmes que ça peut créer, le fait qu'il peut foutre le bazar, que voilà, ce qui était censé être une litière se retrouve à être complètement renversé. Parce que lui le prend pour un jeu, que du coup il va pas comprendre le coup de la litière et il va faire pipi partout, etc. etc. Donc ça montre vraiment ce que c'est un chat dès le départ et je trouve ça plutôt sympa et c'est vraiment très intéressant. Je trouve que le manga est plutôt bien abordé, le manga est simple, pas trop de bulles vu que c'est un manga 6+. Et ça, c'est plutôt sympa et assez agréable. Des fois, il n'y a pas besoin de lire des tonnes et des tonnes de bulles pour comprendre ce qui se passe. Vu qu'on suit les aventures d'un chat, le chat ne parle pas. Même si on a ses pensées, parce que forcément, on va comprendre aussi ce qu'il ressent, etc. On n'est pas comme une caméra, en fait. On est vraiment un peu dans la vie de tout le monde. Donc, on a les pensées de tout le monde. On a aussi ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, etc. Et donc, ça, c'est plutôt sympa. J'essaie de te montrer quelque chose d'intéressant, mais... Et voilà. Voilà, on va voir que là il va dire c'est rigolo, c'est trop drôle, etc. On suit vraiment les aventures d'un petit chat. Le petit chat, bien entendu, au tout début, essaye de rentrer chez lui, forcément, parce que bah, de base, il n'était pas chez ses gens, il ne comprend pas ce qui se passe, etc. Donc ça aussi, c'est plutôt agréable. Bref, en tout cas, en ce qui concerne Chi, j'ai vraiment adoré le concept. J'aime l'idée, j'aime l'histoire. Je trouve ça très intéressant. Je trouve intéressant justement à donner à un enfant de 6 ans ou plus... pour qu'ils puissent comprendre aussi ce que c'est que d'avoir un chat, les problèmes, les joies, etc. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Et c'est quelque chose de très agréable et je le recommande vraiment. La vidéo est donc déjà terminée et je m'en excuse. Je te laisse donc ma précédente vidéo Kodomo ici, la playlist Kodomo juste à côté. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. On n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Ma tête de panda, mes réseaux sociaux et le compte LinkedIn. Sur ce, bye!